Je réponds au nom de M. Douglas Kalombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc, c'est ici la réception. Oui, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire, elle est là. Et ça fait combien d'années que vous occupez ce bureau ? Pratiquement 5 ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadi, on amène ça jusqu'à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on sert nos clients. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Le parfum d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Quelqu'un m'a dit, Christian, tu sais, depuis un certain temps, je t'aime pas. Je dis, c'est vrai, tu ne m'aimes pas. Oui, je ne t'aime pas. Je dis, mais pourquoi? Oh non, parce que je t'aime pas. Je dis, ok, ça va. Et puis il me dit, mais pourquoi tu ne dis pas, tu ne dis rien? Non, mais non. Il me dit, pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Il dit, pourquoi tu ne sais pas? Je dis, je saurai quand toi tu sauras pourquoi tu ne m'aimes pas. Moi, je saurai la réponse à te donner. En réalité, vous n'avez rien à faire contre ceux qui ne vous aiment pas. Non, vous n'avez rien à faire. Ne demandez pas de l'amour ou ne demandez pas d'amour à ceux qui n'ont pas d'amour à vous donner. Il y en a des gens comme ça qui n'ont pas d'amour à donner. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, ils n'ont pas d'amour eux-mêmes. On ne peut donner que ce qu'on a. Quand on a été élevé dans la haine, dans les injustices, dans les troubles, hein, et tout ça, c'est tout à fait normal qu'on reproduise le même modèle, qu'on reproduise la haine, qu'on reproduise la jalousie, qu'on reproduise la persécution, qu'on reproduise toutes ces choses-là. Mais quand on a grandi dans l'amour, dans la paix, quand on nous insulte, ça nous fait rire en fait. Quand on nous critique, ça nous fait rire. Quand on joue avec notre réputation, on sait que ce n'est pas notre réputation qui compte, c'est l'état de notre conscience qui compte. Restez en paix, mes frères. Restez en paix. Et nasengi nzambe apesa makasi, pinzama pambola. Bato nyonso bavanda kanya so bofinga bango. Bato nyonso bakomprena ke ko fingelo ngola mutu kombote. Et que bébé ça combat moto pe ça la bébé ça conscience il y a moto te ndamba pambo la bato va faire kimia devant l'adversité, devant les insultes, devant les injustices. Ils n'ont que leurs yeux pour regarder et leur cœur pour pardonner. Ndamba limbi ça bato mode a pe ça va plutôt ma casse ya pambo la bango kasi nzambe a limbi ça bato ba kanisa ke bango ba okufa te bato ba kanisa ke mbongo somba ka bato que Dieu véritablement vous pardonne. Tout ne s'achète pas. L'argent ne résout pas tout. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas acheter. La crédibilité, par exemple. Le respect. Le nombre de gens qui applaudissent quand tu passes, ce n'est pas le nombre de gens que tu as conquis avec ta dignité. Non, c'est des gens que tu as conquis par ta poche. Et une fois qu'on a conquis les gens par la poche, les gens vivent au gré de ta poche. Plus ta poche est longue, plus les gens sont nombreux à côté de toi. Moins tu as l'argent, moi et les gens sont avec toi. Mais bato ba vanda rabiso pour un respect nabiso, pour la personnalité nabiso, pour la dignité nabiso, bato wana mbongo to mbongo te bazala kana bino. Que Dieu vous aide à avoir des gens autour de vous, des bonnes personnes qui ne vous regardent pas comme des marchandises, qui ne vous regardent pas comme des gens qui ont ou appelle ça bongo loko mela to loko lia, mais comme des gens qui apportent une certaine gaieté na vie nabino. C'est comme ça que nous allons construire notre société, notre modèle wana.
Voilà un peu ce que je voulais dire dans votre allélo. Donc, kolinganga te, koyinanga, to kolinganga, et go bakselangelo mo penzate. Et go salo yo kande mabe. Ce kolinganga te, tu auras mal toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu me verras, tu auras mal. Mais ce kolinganga, à chaque fois que tu vas me voir, tu seras bien. Donc, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Comme on chantait à l'époque, Fongola mote manayo yesua kotakuna. Information du jour, on va partir. Mouyaya Mbungani annonce une série de mesures d'allègement, lutte contre la troisième vague de la COVID. Alors, je voudrais dire une chose. D'abord, merci au président de la République qui nous a écoutés. Souvenez-vous que c'était le week-end qu'on avait parlé de Bafungwaba, léger ma mesure. Et lundi, disons, le même week-end, en gros, le chef de l'État nous a écoutés, bah, alléger ma tâche, bah, alléger Mais une chose, on a besoin de comprendre. En fait, on aurait dû profiter de la suspension pour améliorer les choses. Mais malheureusement, on n'a rien fait. Tous les gars à zéro. Nous avons fait un danger tout ça. Le premier danger, c'est qui n'est pas. L'époque où Kabila, il y a qui laisser aller. L'époque où Kassavubu, il y a qui époque qui installé. D'accord? On va comprendre. L'époque où Mobutu Mobimbe, il y a qui époque où il y a discipline. Bon, relative. Hein? Il y avait, parce qu'à l'époque de Mobutu, par exemple, le quartier était limité, le bar était en public. Le quartier résidentiel, le bar était limité. Métro, et dans la quitter parce que on se considérait qu'il y avait un lieu résidentiel. Ma place, c'est place à musique, c'est là qui Matongé et dans quelques autres points chauds de la capitale. Tu vas dire que Kuna, il y a beaucoup plus de bars, beaucoup plus de boîtes que des logements. Donc, c'était pas des quartiers industriels, c'était pas des quartiers résidentiels, c'est là qu'il y a un quartier, et il y a l'Owenge, ainsi de suite. Mais lorsque Kabila arrive au pays, il amène une certaine légèreté. Tout le monde peut faire tout quand il veut, où il veut et s'il le veut. Donc, comment il y a une conquête, c'est vrai. Ma condition sociale, et donc, comme il était contre Yango, je veux dire, ma pauvreté, c'est là qui tout, mais mingi. Et, tout le monde, ma fongoli, baba, n'a pas place au baba, et grand fongomate. J'étais étonné de voir que même à l'imité, tiens, ma métro, ma minène, ma bar, ma ambiance, y'a au sakarate. Tout le monde peut jouer sa musique comme il entend. Na heure o ya lingi, tangu ya lingi, ndenge ya lingi. Na heure o ya lingi. Dans certains endroits, il n'y avait que les oiseaux qui chantaient. Na heure bois. Tonde ko kaka ba son, il y a nature. Ce qui mboua gangite, ndeke mta ko ganga. Mais depuis un moment donné dans ce pays, la musique est partout et la pollution sonore garantie. Et les gens ne peuvent plus se retrouver. Les gens ne peuvent plus comprendre dans quelles conditions tu peux vivre, ceux qui toujours continuer dans le modèle, on a tout ça, la n'engenine. Oyoki a musique et bête, koto musique et bête. Entre-temps, dans le quartier résidentiel, nos enfants étudient. Donc nos enfants ne peuvent pas réviser leurs notes. Nos enfants connaissent beaucoup plus la musique et les récitations. Nos enfants connaissent beaucoup plus la musique que le temps de lire. Parce qu'à un moment donné, il faut juste oublier, madame, quand on va Willeri, fais un tour dans Willeri, au cas modèle aux musiques, mais c'est une compétition terrible. Batouba Kangami. Aligné comme ça, 27 bars, terrasses, et l'andani, des parts et d'autres. 27. Alors, imaginez que 27 ans, on a tout pour mettre la musique au choix. C'est-à-dire qu'il y a cette pollution sonore de façon inestimable. Bah, décibel, mais c'est vraiment à la volée, quoi. Moutou, tout pour mettre la musique, le lingue ou lingue, n'engue ou lingue, aucune réglementation. Donc, un abandon total, une défaillance imprescriptible. L'État n'est même pas dedans. Battez-vous, tuez-vous si possible. Alors, je me pose la question. À partir de quel moment vous êtes un État si vous laissez les gens se tuer dans le modèle Wana? Parce que autant l'air est pollué, autant pollution sonore est allée. Il a été prouvé qu'au Congo, les gens ne dorment pas dans certains coins. Ils ne dorment pas. Même quand ils pensent dormir, la musique, quand on met depuis Boututi Tongo Wana, et donc quand on a Boutou Nomango, et ça les empêche de dormir. Mais c'est pas possible. Mais croyez-moi, ce n'est pas possible.
Ça veut dire, tu ne peux pas. J'avais pitié pour mon petit-fils. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Comment le petit va dormir? Il ne peut pas dormir parce que même dans ma chambre, j'entends la musique comme si j'avais une petite radio à côté. Alors que la musique, je dois mettre à 100 ou 200 ou 300 mètres de distance. C'est la famille chez nous au Congo, à Kinshasa, ce ne sont pas des musiques. Et là, il y a un concert. Nous, nous participons à un concert. Comment il y a 10 personnes, 10 clients? Mais la musique, c'est la musique qui a 100 clients. C'est-à-dire, ceux qui sont là, je ne sais pas comment ils font. Et puis, on le dit, le bar, non. On ne peut pas me bar, on ne peut pas me bar. Là, tu vas pour être agité. Les gens se parlent à peine en train de crier. Non, mais l'État devrait dire non. Lobby na moni ba Congolais n'engi ba sepeli na cannabis bon oh pena c'est que mboke bongi. Non, les gens ont été contents tout simplement parce que ba fongoli ba bar, ba fongoli ba boîte. Les boîtes, je reviendrai prochainement. Mais pour les bars d'abord, je vais proposer ici, à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Na court terme na lobby boué. Autant nous voulons que la ville soit propre, nous la voulons aussi calme. Nous la voulons aussi apaisée. Nous la voulons aussi pas agitée. Les bars publics, je m'adresse aux bars publics sous forme de couloir. Partout, ma bar est dans le couloir. Matongé, Capella, Kimbuta, Nzete, bref, Babilo, on a tout. Nous demandons à l'État d'imposer soit arrêt de musique immédiat. Je vais mettre la musique, parce qu'il va être en confinement, il va être sans musique. Donc, il peut faire la même chose. Quand il bar, musique, je vais mettre à thé. N'importe quoi, tout le monde a un bar à l'air libre, c'est un peu, non? Mon terrasse, mon il y a des gens comme ça qui boivent comme ça, mais il n'y a pas de musique. Le coup, la modèle, on a. Bah, interdire musique et bêta dans le bar, on a gnosso. Ou bien, bah, pessi moutou moko. Le roi Binotou dans le couloir, il y a une discothèque mokokak. Il y a une musique pour nous tous. Mais en même temps, on réglemente les sons. Papa, Binon de Bozo Mela. Comment est-ce que tu as fait Binou? Tu as fait ma musique, Binou. On n'en a pas besoin. Tu vivras dans le malade, dans le quartier, dans le tu vivras dans le hypertendu, dans le côté, dans le voisin. On a des enfants. On a des bébés, on a des micolo, mais attendez, tous ces gens-là, vous allez le mettre mal à l'aise parce qu'il y a un groupe de gens. C'est quel désordre ça? Regardez, vous me posez la question, à partir de quel moment nous laissons la population dans le trou comme ça? Ceux qui partent boire, c'est leur liberté. Mais ceux qui ne sont pas sortis aussi, ont aussi leur liberté. L'État doit jouer aux équilibres. Que l'ambiance Nabino est dérangée, qui étudie les bateaux soutés. Alors, c'est pour ça qu'on dit. Pas de musique qui est modèle Luana. Pas de musique pour quoi? On a tapage d'urne. Mais ce n'est pas possible. Il y a des possibilités. On est à court terme, à long terme, disons à moyen terme. L'État peut dire, à moyen terme, Babar Nyonso, musique Nabino, est dans un niveau tel, par exemple. Et, Bino tout, ça la parking place mon corps. Parce que ce que nous constatons, les animes, les gens qui viennent boire, ils ont balabala mobile. Balabala, ils ont trois bandes. Mais le quoi la bango va comme là, ils ont une bande moko. Et ils ne payent rien. L'État ne gagne absolument rien dans le coin. Alors, comment tu ouvres une boîte ou un bar et tu n'as pas de parking? Et les gens vont utiliser la chaussée. Balabala est à l'État. Ils ont une bande moko. Mais ça, c'est une défaillance totale de l'État. Soit l'État s'est fait l'argent dans le parking à modèle Wana, soit l'État interdit stationnement place Wana. Moutouka Fourrière et le côté Moutouka Wana, nous sommes dans le télé Malibosa Babar. Et le côté Yango, nous sommes dans la commune. Batorba qui nous fout à $80, $80, $80. Comme ça, ces gens-là, ils ne viendront plus dans ces bars-là et ces bars-là vont fermer. C'est comme ça qu'on fait. L'État doit aller comme ça. Mais vous avez un État qui négocie. Non. Comment Binot, vous avez le canet de la Bandal. Faites un tour à Bandal, vous allez voir. Tout le couloir, il y a Inga. Couloir, il y a sur Inga. Et il y a une barbe. Et bah, tout baillé, côté bloc, n'en parlons pas. Nous avons un bloc, nous avons deux bandes. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde a un bloc, bloqué bande. Bah, tout le monde a un bloc, il y a un bloc. Donc, bah, empêcher
bande moko etambola batiki bande mususu. Ce qui fait que biso tous devant le cas, il faut le cas bande moko. Donc on va créer un embouteillage parce que deux messieurs ou trois messieurs ont voulu boire na quoi na bango. Est-ce que vous imaginez bêtise dans modèle wana? C'est quel état qui laisse la population dans modèle wana? À long terme maintenant, à long terme, tout ce que moi je propose, c'est que l'État crée des endroits de divertissement et sépare les endroits de résidence. Au moins, il y a un quartier d'ambiance. Ça veut dire que vous interdisez sur toute la ville de Kinshasa. Ça veut dire vous pouvez créer dans chaque circonscription un coin pour l'ambiance. Circonscription, par exemple, à Tchangou, Botikiango de Kinkole. Ça veut dire Kimbanteke, Massina, Njili. Partout, on ne vend pas la bière dans Balabal. Non, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de bar là-bas. Des restaurants, oui, mais pas de bar. On ne vend pas la bière dans Porter à Tujosan Libanda. Pas question. Les gens aussi, ils veulent boire, ils vont aller boire dans Kinkole. Parce qu'il faut décourager les gens. Il faut que quelqu'un paye son taxi, paye son transport et qu'il parte à Kinkole boire. S'il le fait deux, trois, quatre fois, la cinquième fois, il ne le fera pas. Alors, vous avez la séquence. Et vous avez gagné les gens. Na côté ya Lingwala, pardon, ya Lukunga, Boluki place moko. Côté ya Mwamba, Boluki place moko. Moi qui m'entends, mon gars, foula, kuna musika. Les gens doivent dépenser de l'argent pour aller s'ambiancer. Sinon, ils restent à la maison, qui travaillent, qui étudient, qui lisent, qui fassent autre chose. Il faut arriver à décourager les gens. Et à long terme, l'État doit dire, tu veux faire un bar. À la limite, tu veux faire un bar, il faut un, disposer d'un parking. Deux, des espaces. Dans l'espace, il y a mounene. Trois, des toilettes. Donc, il faut que ce qui l'État ait, quatre, le pango, il y a pas sur l'ingo, ça, la barre. L'État, il faut se rassurer qu'aux un parking. Deux, aux un espace, il y a mounene. Trois, aux un toilette, il y a bien. Et puis, c'est tout. L'État peut voir à taler, ok, c'est bon, il a un parking, il a des toilettes, on peut le laisser travailler. Et après, on t'impose que ta musique ne sorte pas de ta parcelle. Que ta musique reste là pour la consommation intérieure. Ceux qui sont dehors n'en ont pas besoin. Donc, si on a un wana. Au moment où on a les canabins dans le balabal, ils sont dedans, à l'intérieur. Parce que sous notre ciel, la bière, on la bat dans le monde, on a dans le dibiso. Nous avons la bière, on a l'emballage. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde ait une bière dans le monde. On peut faire ça chez nous ici. Pour projet d'angai, pour projet d'angai à long terme, Zali, d'abord yango. Bon, ça yango dans le sens que batoba qui est musique et batoba lingua tika na ville, bah insonorisé. Bah bien on a bon que batoba yo kalibandate. Je crois que ce que tu plutôt qu'il y a dans le jeu quoi, dans ma mère go changer. Et puis l'État peut décider du lundi, vendredi, lundi à vendredi, de toute la journée, hein, de matin au soir et le gozate. Pas de bar, pas de boîte. Pas de bar, pas de boîte. C'est fermé. C'est vraiment fermé. Mais seulement vendredi, à partir de 13h, les bars et les boîtes peuvent kufungwama. Bah que nous kanga dimanche à 23h bakangi. Donc vendredi, voilà pour la bateau bazana dans la cité. Mais maintenant, c'est non-stop. C'est du lundi au lundi. De 6h à 6h, les gens boivent, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez Bukena ou Sika. C'est loin de la ville, c'est hors de la ville. Mais bateau, maintenant, Katia ville. Bagosa la masanga, bagome la masanga, kaka, vendredi à 13h, ti dimanche à 23h. Point barre. Et c'est indiscutable. Ce que tu salis bongo, on est à long terme, moyen terme, à court terme. Ce que tu salis bongo, on va réussir. Moi, je propose désormais, cher monsieur le gouverneur, prenez la décision d'interdire la musique, s'il vous plaît, quand même. Interdisez la musique. C'est pas possible. Interdisez la musique. Interdisez tout simplement. Attention, vous interdisez, les gens vont aller boire caca. Kinshasa, Balini, Masangaloa, Likambu. Attention, vous pouvez ici. Kinshasa, vous pouvez faire une bière, il y a moto. Imagine. Oh, mais ça, il y a moto. Il y a moto. Moto, ça, la moto, ni ni Mali, les Ali. Oh, il y a moto. Vous imaginez, bah, tout, bah, l'ingi modèle, on a. Ok, par exemple, on a un message, les athées. Même, vous habitez, par exemple, vous avez un athée. Donc, les gens sont comme ça. Et c'est bizarre, quand même, beaucoup, ok. Bah, il y a un gami. Terrasse, on a vide, bah, tout, bah, athée.
Peu bas, tu as un la baquette. Mais, parce que les gars, Kuna. Oh, mais, vous avez de Kuna. Oh, Kuna, des mouvements, ils mouvement, ils ont mis un mouvement, ils mouvement, ils mouvement. Place, il va tout normal, il va tout normal. Mais, il va Congo, sous tout temps, dans le zoom, il va tout normal. Vie bonga. On a dit, on a plantation, on a boteka. Ah, ma plantation, il y a un carré millier. En fait, quand les gens boivent au Congo, c'est comme si on s'appelle la bourse. Parce que maman, on me suit. Tandis que ces gens-là, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Au milieu, on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a l'examen d'État. On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a Bill Gates, Carlos Slim. On a un peu de temps. On a un peu de Donc, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Donc, on peut corriger ces choses-là, s'il vous plaît. C'est important. De le corriger. C'est important. Même à ta pour mon église. L'église modèle, au nom de Jésus, on ne va pas bouquer loco. On ne va pas bouquer loco, au nom de. Mais papa, juste ton voisin. Ton voisin ne demande pas trop. À se reposer. Depuis que tu as un satan, tu as un satan, tu as un satan, tu as un satan, tu as un satan. Pourquoi tu as têtu modèle? Pour changer, tu as un satan. Ce qui est dans nylon et tout, ce qui est dans la chaîne, à tout moment, qu'on kanga Satan, qu'on ligote, qu'on loupe un place, on ligote Satan dans la Bible, et ça peut gâter. On les ligote, on les ligote, on les ligote, on les ligote, on les jette dans les abîmes, on les a pour éviter. Arrive dans les abîmes pour éviter. Mais finalement, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Makele Lewana, comment on se plaint de regard avec un chef? Maman a mis sur le coup de hypertension. Bon, deux états, et la moto. On a sentir moto de côté là et on a et comme ça trouble tombe la sous on dirait mais aussi mon qui dit ça c'est que Matissa non il faut qu'on aille doucement aux an église qui a 10 personnes seulement bon tu n'as pas solution à casser ça tu n'as pas ni on veut évangéliser pour battre les bandes non oh battre les bandes battre les grâces que vous n'avez pas guimé bangaba kota yo tika musique na yo il y a des choses que au koloba même yo moko tu peux parler batbayoki mais non bah terminé donc ah non c'est pas possible s'il vous plaît et puis mon lundi ma prière dans ma prière dans 15h30 de prière 16h30 de prière 17h30 de prière 19h30 de prière après pendant aussi les gens sont veillés ah tourne le moukassou bongo culte matinal culte 8h 10h 11h 12h et c'est ça tourne comme ça tout le jour ça tourne mais les gens à côté ils ont besoin de se reposer aussi non ils n'ont pas droit à se reposer le cabinet mon dimanche là est sous donc bah doucement faut pas couper après mon dimanche là est sous non. Allons-y doucement. Moi, je suis un chrétien pratiquant et fervent même. Mais il y a des choses que je ne peux pas. Je ne peux pas embêter les autres parce que Christ n'embêtait pas les gens. Je crois qu'il faut trouver de l'ordre. Hein. Et on a à la fois, tout le monde a dit, mon pasteur Obayebi, le pasteur qui ont étudié, qui ont appris, qui ont le bon sens, qui n'ont pas que la spiritualité, ils ont un degré de compréhension différent de ma pasteur Obayebi dans la Bible. Il y a la Bible, c'est tout ça. Dans ce qui est beau, Lévitique, Esaïe. Non. Mais quand il comprend un peu des choses, attends, hein, mon dame, bon sens. Alors, il va dire, ah, oh, non, ok, non, n'est-ce pas. Voilà un peu, messieurs et dames, ce dont on allait parler sur la pollution. Où est-ce que c'est ma ville, Nabisso, il y a Kinshasa. André Alain Atundu propose une solution énergique pour la sécurité au Nord Kivu et en Ituri. Alain Atundu. J'aime bien lire ce monsieur parce qu'il écrit, très bien. S'il y a des gens qui écrivent bien, moi j'ai été séduit la première fois, Natanga, article sur le problème de l'Est toujours. Et là, il y en a Optimum, voilà, un journal Optimum. À l'époque, c'est, je crois, en 2013 ou 14, quelque chose comme ça. Mais quelle pertinence, mais le gars était fort dans ce qu'il disait, je crois en 2013 en tout cas. Une analyse mais objective au Talobi, mais waouh! Il y a, au Congo, on a encore des gens comme ça. Parce que moi, pour moi, je dis toujours, André Alain Atundu est mieux en écrivant qu'en parlant. Mais il est aussi bon en parlant qu'en écrivant. Ouais, quand tu parles, il dit, je fais le grec. Je fais le gréco-latin. Donc, j'estime que c'est bon. C'est bon, donc, je vous crois lire à la page 3. Je vais lire sa proposition. Parce que nous avons estimé que la proposition, il y a très bien qu'il faut finalement considérer. Alors, il y a qui d'autre? Il y a Barnabé Kikaya Bin Karoubi. Fuite ou exil après John Numbi. Monsieur Barnabé Akimi, tout simplement.
Monitor sa barre dans la présidence et le directeur de cabinet Guylaine Yembo très fâché contre le conseiller du chef de l'État. Scandale à l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Moïndo Nzangi nomme son cousin, encore étudiant, administrateur de budget de l'ISTA Goma. Tant que tu le bas haut, question t'es. Bah. Alingueté, les vizirs cessent d'être au-dessus de tout soupçon. La photo prise au bureau privé du CG de l'UDPS en face d'un ministre soupçonné de détournement qui vaut au patron de l'IGF d'être au cœur d'une polémique. Bon, c'est une mauvaise histoire, hein. Il faut dire que c'est une mauvaise histoire. Au-delà de ce que Jules Alinguette a fait, c'est aussi quelqu'un qui donne, hein, qui dispense connaissance naïe en matière de finances publiques. Donc n'importe quel parti, n'importe quelle organisation, ce besoin a besoin. Besoin quelques notions pour il y a finances publiques, comment cela, vous pouvez demander. Donc il y a des gens qui font l'amalgame Yamakambu. La photo n'a pas été prise quand ce monsieur était là. Donc il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de choses. Moi je vous promets de lire convenablement la chose et de venir vous donner la bonne information au sujet de la vidéo. Quand vous voyez une vidéo sur Internet, la première des choses à faire, avant d'aller raconter ce que vous racontez, la première des choses à faire, c'est de regarder la date de la photo. Elle a été prise quand? Si vous avez la réponse, vous allez voir le lieu de la photo, les circonstances de la photo pour comprendre. Ça, vous avez une idée. Mais si vous voulez vous nourrir dans les réseaux sociaux où l'on raconte des bêtises, et vous allez la compliquer. Il y a des photos qui ont été prises il y a très très longtemps. Oh, que le lot peut commis compliqué. Donc, à un moment donné, hein, il faut tout comprendre en gros. Fati honore les victimes du double crash de la Chopo. Karega dénonce une campagne de dénigrement contre Kigali. Kassai Central, des anciens agents de la Direction Générale des Recettes réclament 21 mois d'arriéré de salaire. L'équipe des forces spéciales américaines reçue par le président Tshisekedi. L'OMAMI des députés accuse le bureau de l'Assemblée provinciale de convoquer la session extraordinaire pour partager des postes. Détournement de soldes de militaires FARDC décédés. Leurs épouses en Ituri saisissent la justice militaire. Christophe Lutundula, accompagné du directeur de cabinet du Premier ministre, ont réconforté la famille de l'étudiant tué en Inde. Le caucus des sénateurs de Kinshasa, conduit par leur président Didier Mumengi, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, 14 août, autour des mesures riposte contre la Covid et aussi des 10 projets de transformation de la ville-province de Kinshasa. Maïndombe, la SNEL, annonce la relance de la desserte en électricité à Inongo. Retrait progressif de la MONUSCO en RDC, un plan de transition échelonné, responsable durable, a été validé ce samedi. Parlons hydrocarbures. Didier Boudimbou à Mwanda pour calmer l'attention des importateurs locaux de produits pétroliers après la suspension de certaines voies d'entrée au Congo central. Voici les gens qui travaillent. Sans trompette ni tout ça. Il n'est pas dans les réseaux sociaux. Non, il n'est pas là-bas. Prenez mon photo là-haut. Ah, les réseaux sociaux est emboli. Non. Travail. La RDC et la Zambie vont poursuivre de ce lundi 16 août 2021 les travaux de démarcation de leurs frontières terrestres communes longues de 205 km, comprises entre les lacs Tanganyika et Moero. Les experts de ces deux pays se sont convenus de s'asseoir les 16 et 17 août à Pweto. Un accident d'avion s'est produit ce samedi à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, un avion bombardier de Congo Airways effectuant un vol régulier en provenance de Mbujimayi a heurté au moment de l'atterrissage un motard qui traversait la piste des dégâts matériels. On est dans un pays extrêmement bizarre où il y a des accidents entre l'avion et une moto. C'est-à-dire, tu m'expliques ou comprends-tu? Avion et toute une moto dans le Congo. C'est pas possible. Avion. Moto. Ah, maman, comme on dit, maman,
Ok. Dans un communiqué publié le 14 août, le FCC condamne et dénonce tout particulièrement les manœuvres aussi immorales qu'illégales du président de l'Assemblée nationale qui tente de débaucher des membres du FCC en leur offrant des postes réservés à l'opposition, aussi bien dans la commission paritaire qu'au sein de la CENI. La CENCO et FCC écrivent une lettre d'indignation au président de l'Assemblée nationale contre la démarche de la commission dite paritaire et ont refusé de répondre à l'invitation de la commission paritaire à l'Assemblée nationale. Vive le glissement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello, l'opinion biba il a un bilo koli. Bon il a un bilo ko etazini. On est comme un bon abou na bon jeunesse. Moi na etazini. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge ozala kan etazini o kole lo kola mutuaza na mombele. Lo kola mutuaza na ngaba. Merci mon bi. Wow. C'est mon bouche. Bana etazini. Koli abio. Et komi lo lingi nabino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebito yo. Che mama Samira, mansom azali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa bilo kwa detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya koka uka. Mongusu mafute mbila. E koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira. Makiambae. Congo.